Hey, salut YouTube, comment ça va? Bien mieux sur cette nouvelle vidéo de la Nervy Rage. Et aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour vous présenter un tuto très sympathique, je pense qu'il va vous plaire, sur la nouvelle arme qui va bientôt voir le jour, la Peacekeeper, comme vous l'aurez sûrement compris. En tout cas, on espère que voilà, la reprise de l'activité sur la rage vous fait plaisir. Nous, on fait tout notre possible pour vous satisfaire, même en période de vacances, tu vois, et encore plus aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Donc, je vous invite alors à mettre dès à présent un pouce bleu à cette vidéo pour nous encourager et pour continuer tout simplement la magnifique activité que suit en ce moment même la Nervy Rage. Et on attaque directement ce tutoriel. Alors, pour commencer, vous devez donc aller dans la section partie personnalisée, puis dans configuration partie. Alors là, vous sélectionnerez changer mode de jeu, ensuite communauté, tendance et récent. Et à ce moment là il faudra tout simplement trouver un mode de jeu qui s'appellera Peacekeeper MK2. Vous chargerez ensuite la partie, et en cas d'échec, c'est à dire si elle ne marche pas ou bien si l'arme n'est pas dans la partie, il faudra bien évidemment en trouver une autre. C'est l'inconvénient de la technique, bien sûr, c'est pas aussi facile, mais une fois trouvé, il faudra bien mettre les bottes pour lancer la game. Prendre la deuxième classe prédéfinie avec le couteau, hein, je précise. Et là, en pleine partie, vous devrez tuer donc un bot ennemi qui a la Peacekeeper et donc ramasser son arme. Et alors là, vous pourrez profiter de cette nouvelle arme sur votre jeu Call of Duty Black Ops 3. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis dans l'espace commentaire, ainsi qu'un petit like si ce tuto vous a plu. En tout cas, c'était Dead Skill. Portez-vous bien. Allez, kiss.